When the day of Pentecost was fully come, they were all with one mind believing that God was going to send that promise. Bon, et lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous d'une même pensée. D'une même pensée, ils croyaient que Dieu allait envoyer ce qu'il avait promis. Now, all of a sudden, there came a sound like a rushing wind. It was no rushing wind. It was like a rushing wind. Tout à coup, là, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce n'était pas un vent impétueux, c'était comme un vent impétueux. See there? Do you get it? That's the second thing taking place. First was a wind, then the appearing of tongues, a fire. Vous voyez là? Vous saisissez? C'est ce qui est arrivé en second lieu. D'abord, il y a eu un vent, puis des langues de feu sont apparues. Now watch the next. And another conjunction, something else happened. They were all filled with the Holy Ghost. Second thing taking place. Maintenant, regardez bien ce qui vient ensuite. Et une autre conjonction. Quelque chose d'autre est arrivé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La deuxième chose qui est arrivée. Now see, we want to change that around. They had tongues of fire and you're jabbering around and went out and began to speak with an unknown tongue. There's no such a thing as that in the scriptures, friend. Maintenant, vous voyez, on voudrait changer tout ça et dire, ils avaient des langues de feu et ils se sont mis à baragouiner quelque chose. Puis ils sont sortis et se sont mis à parler dans une langue inconnue. Il n'est rien dit de semblable dans les Écritures, mon ami. Anyone who speaks with an unknown tongue upon receiving the Holy Ghost does it contrary to the Bible. Quiconque parle dans une langue inconnue au moment où il reçoit le Saint-Esprit agit alors de façon contraire à la Bible. And I'm going to show you in a few minutes and prove to you I believe in speaking in unknown tongues, but not receiving the Holy Ghost. Je vais vous le montrer dans quelques minutes et vous le prouver. Parler dans des langues inconnues, j'y crois, mais ce n'est pas recevoir le Saint-Esprit. That's a gift of the Holy Ghost. The Holy Ghost is a spirit. C'est un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Now watch. These tongues were in the room like fire and set upon each. Then they were filled with the Holy Ghost. Second thing. Maintenant, regardez bien. Ces langues étaient dans la pièce. Elles étaient semblables à du feu. Elles se sont posées sur chacun d'eux. Puis, ils ont été remplis du Saint-Esprit. La deuxième chose. And then, after they were filled with the Holy Ghost, spake with tongues, not with tongues, with languages. Et alors, après qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Non pas en langue, mais en langage. Do you notice that? They began to speak with other languages as the Spirit gave them to utter. Avez-vous remarqué ça? Ils se sont mis à parler en d'autres langages selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Now, this was noised abroad. Now watch. Now let's get the illustration again so you won't forget it now. Et le bruit de ceci se répandit. Maintenant, regardez bien. Maintenant, représentons-nous de nouveau la scène pour que vous ne l'oubliez pas. Là. According to scripture, in the upper room waiting, suddenly a sound like a rushing wind that was up on them. That was the Holy Spirit. Selon l'Écriture, pendant qu'ils attendaient dans la chambre haute, tout à coup, il y a eu un bruit semblable à un vent impétueux qui est venu sur eux. C'était le Saint-Esprit. How many believe that that was the appearing of the Holy Spirit? Like a wind, the supernatural wind. Combien croient que c'était l'apparition du Saint-Esprit? Semblable à un vent surnaturel. Then they noticed
And out in there was little tongues of fire. 120 of them. And began to settle down and set up on each of them. Puis ils ont remarqué, là il y avait de petites langues de feu. Il y en avait 120. Et elles ont commencé à descendre et à se poser sur chacun d'eux. What was it? What was it? The pillar of fire, which was God Himself dividing Himself among His people. Coming into the people. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? La colonne de feu qui était Dieu lui-même s'est partagée parmi son peuple. Elle est entrée dans ses gens. Jesus had the whole thing. He had the Spirit without measure. We get it by measure. You see what I mean? Because we're adopted children. Jésus en avait la totalité. Il avait l'Esprit sans mesure. Nous, nous l'avons avec mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes des enfants adoptés. His life, his eternal life is coming in. Alors sa vie éternelle, entrait en eux. Now, what happened? Then they were all filled with the Holy Ghost. Là, qu'est-il arrivé? Alors ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. And they come out of there drunken like on the Spirit. For the people said, these men are full of new wine. They never seen anything like it. Et quand ils sont sortis de là, ils étaient comme ivres de l'Esprit. En effet, les gens ont dit, ces hommes sont pleins de vin doux. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. And each one was trying to say, the Holy Spirit has come. The promise of God is upon me. I've been filled with the Spirit. Et chacun d'eux essayait de leur dire, le Saint-Esprit est venu. Ce que Dieu a promis est sur moi. J'ai été rempli de l'Esprit. And him being a Galilean, the man that he is speaking to, an Arab or a Persian, heard him in his own language. Et celui qui parlait était un Galiléen, mais l'homme à qui il parlait, soit un Arabe ou un Perse, l'entendait dans sa propre langue. How hear we, not an unknown tongue, how hear we every man in the tongue wherein we were born? Are not all of these that speaking are Galileans? Comment les entendons-nous? Ce n'était pas une langue inconnue. Comment les entendons-nous chacun dans notre langue maternelle? Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? I was perhaps speaking Galilean. But when they heard it, it was in the language they were born in. Et peut-être qu'ils parlaient le Galiléen. Mais quand les gens les entendaient, c'était dans leur langue maternelle. If not so, I want you to ask me, answer this question. How was it that Peter got up there and spoke in Galilean and the whole bunch heard what he was saying? S'il n'en est pas ainsi, j'aimerais que vous me demandiez, que vous me donniez la réponse à cette question. Comment se fait-il que Pierre s'est présenté là, qu'il a parlé galiléen et que tous ceux qui étaient là ont compris ce qu'il disait? 3,000 souls came to Christ right there, and Peter speaking in one language. Sure. It was God performing a miracle. 3,000 âmes sont venues à Christ juste là, alors que Pierre ne parlait que dans une seule langue. Certainement, c'était Dieu qui accomplissait un miracle. Peter to the same audience that were made up of dwellers of Macedonia, strangers and proselytes and everything from all the whole world was standing there. Pierre était devant un même auditoire composé d'habitants de Mésopotamie, d'étrangers, de prosélytes et de toutes sortes de gens venus du monde entier. And Peter standing preaching in one language. And every man heard him, for 3,000 repented and was baptized in the name of Jesus Christ right away. How was that? Et Pierre s'est tenu là
et a prêché dans une seule langue, et tout le monde l'a entendu, puisque 3000 personnes se sont repenties et se sont tout de suite fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Comment ça? See, friends, I can't expect my denominational Pentecostal brother to accept that right now. Vous voyez, mes amis, je ne m'attends pas à ce que mes frères dénominationnels pentecôtistes acceptent ça d'emblée. But you trace that through the Bible and tell me any time where they ever received the Holy Ghost and spoke in a tongue that they didn't know what they were speaking in. Mais suivez ça d'un bout à l'autre de la Bible et indiquez-moi une seule fois où ils aient reçu le Saint-Esprit et parlé dans une langue sans qu'ils aient su dans quelle langue ils parlaient. And if that's the way they got it there, the sovereign God, it has to happen every time the same way. Et si c'est de cette manière-là qu'ils l'ont reçu là, le Dieu souverain, il faut que ça se passe de la même manière chaque fois. Now, I cannot, now at the house of Cornelius, we remember, when we went down to Samaria last night, we found out there was one thing recorded about them hearing in any other tongue. Nothing said about it. Maintenant, je ne peux pas... Or, chez Corneille, souvenons-nous qu'hier soir, quand nous sommes descendus en Samarie, nous avons vu qu'il n'est aucunement fait mention là que les gens les entendaient dans aucune autre langue. Il n'est rien dit à ce sujet. But when they went to the house of Cornelius, where there were three different nationalities of people, they spoke in tongues. Par contre, quand ils sont allés chez Corneille, où il y avait des gens de trois nationalités différentes, ils ont parlé en langue. And when they did, if they did, they got it, Peter said, the same way they got it at the beginning. Et quand ils l'ont fait, s'ils l'ont fait, ils l'ont reçu, comme Pierre l'a dit, de la même manière qu'eux l'avaient reçu au commencement. And they know the Gentiles had received grace from God because they had received the Holy Ghost just like they did at the beginning. Et ils ont reconnu que les nations avaient reçu la grâce de Dieu parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit exactement de la même manière qu'eux au commencement. I've got a question here, something on that in a few minutes. I want to lay the foundation so you'll see what it is. J'aurai une question là-dessus ici dans quelques minutes. Je tenais à poser la base pour que vous voyez ce qu'il en est. Now, I can't expect people who've been taught different. And listen to me, my dear precious Pentecostal brethren. I wouldn't teach this outside. I wouldn't do nothing to cause controversy. Maintenant, je ne peux pas m'attendre à ce que les personnes qui ont reçu un enseignement différent... Et maintenant, écoutez-moi, mes chers et précieux frères pentecôtistes. Je n'enseignerai pas ça à l'extérieur. Ici, c'est... Je ne voudrais rien faire qui puisse provoquer une controverse. But if we don't get the truth, when we go to get started, we've got to have something to take place here to straighten us out. We got to get rapture and grace here. Truth has to come forth. Mais si nous ne recevons pas la vérité, quand allons-nous nous mettre en marche? Il faut que quelque chose se produise ici pour nous mettre dans la bonne voie. Il nous faut recevoir ici la grâce de l'enlèvement. La vérité doit être proclamée. What would a man do if he was deaf and dumb and couldn't speak at all? Could he receive the Holy Ghost? What if he had no tongue to begin with? The poor fellow wanted to be saved. Que ferait un homme s'il était sourd et muet, qu'il ne parlait pas du tout? Est-ce qu'il pourrait recevoir le Saint-Esprit? Et si, d'abord, il n'avait pas de langue, le pauvre, et qu'il désirait être sauvé? Voyez? If the Holy Spirit is a baptism, and then all these gifts like speaking in tongues, interpretation of tongues, is after you come into the body by the baptism of the Holy Ghost. For those gifts are in the body of Christ. Le Saint-Esprit, c'est un baptême. Puis tous ces dons, tels que le parler en langue, l'interprétation des langues, ils viennent après que vous êtes entré dans le corps, par le baptême du Saint-Esprit. Car ces dons se trouvent dans le corps de Christ.